Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre incroyable aventure horrifique sur Resident Evil 4. Évidemment on retrouve Leon S. Kennedy, ici présent pour vous servir, comme d'habitude, 4K 60 FPS, pardon, plongez-vous dans le noir, un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas, et on n'oublie pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Là, il y a une médaille bleue. Ok. Les médailles bleues sont toujours présentes. On va essayer une petite élimination discrète. Je me souviens très bien de ce lieu. Oh non, j'ai plus de couteau. Quel drame industriel. I don't have a cut! Ok. Shriek! Ah! Wow! Quoi? C'est vous les vrais ennemis du jeu! Je le savais. Ok. Wesh! Il vient de s'effondrer. Chose, non. Ok. Quoi d'autre? Une vache? Là, attends, il y a quoi? Ok, il y a encore un. Il y a des médailles bleues partout là, c'est impressionnant. Ok, une médaille bleue ici. Une médaille bleue ici. Bon, il y en a 5 dans cette zone, très bien. Ok, bon. Écoutez, je crois qu'il y a 5 médailles bleues par ici. Oh, le cochon s'est relevé. Oh, le cochon s'est relevé. Il va me grailler la gueule. Ok, on va aller checker là-haut. Là, on peut rien y faire. Et là-haut, il n'y a plus rien à faire. Ah, c'est bien. Les médailles bleues, ça va permettre d'être un petit peu plus fins observateurs, comme on dit dans le milieu. Comme ça, sur un malentendu. Il n'y a rien là. Y'a pas une médaille bleue là-dedans, là. Avant, il y avait une médaille bleue sur un truc comme ça. Ah, j'en étais sûr. Mais non. Mais non. Ah, ça change tout. Ok, finalement, il y aura bien des trucs à descendre, si je puis me permettre. Très bien. Bon, allez, on va fouiller toutes les maisons. Oh. Allez. Leon. Voilà. Très bien. Monsieur le cochon, je vous laisse en paix. Là, on a quoi, là? On n'a plus rien. On n'a plus rien. Donc, en fait, j'ai rien dit. Il y a bien des objets en haut, mais ils sont dans des décorations. Voilà, si on peut les appeler ainsi. Excusez-moi. Non. Ok, pas de soucis, je veux bien l'entendre. Y'a rien là-haut? Attends, y'a vraiment rien là-haut? Et là-haut? On va vraiment tout observer. Ah, c'est trop cool. Ok, ça on peut prendre. À force de trop regarder en l'air, on oublie de regarder par terre. Et ça, c'est terrible. Ok. Bon bah écoutez, on va aller essayer de casser la gueule à tout le monde dans cette petite grange. Qu'est-ce que c'est? Non, attendez. Déjà, là, on a quelque chose. Les roquettes. Très bien. Pour l'amour du ciel, quelqu'un peut-il nous débarrasser des médaillons bleus que ces fanatiques ont accrochés partout? Détruire tous les médaillons bleus. Zone ferme. Récompense 3 spinels. Très bien. On est à l'heure actuelle, donc, à 3 sur 5. Ok. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Ok. Très bien. Ça, c'est très embêtant. Il y a des trucs un petit peu partout. Et il y a la grange que je n'ai pas encore faite. Donc, écoutez, on va aller la faire. Il y a même là, sorte de truc occulte. Qu'est-ce donc?
une clé à mettre dedans, très bien. Une clé que je n'ai de toute évidence pas encore. Écoutez, on va rentrer dans cette... dans cette grange. Putain, il me faut un cut, hein. Comment on peut faire? Est-ce que vous croyez qu'on peut monter là? Non. Il y a quelque chose à faire, mais comment? Voilà, c'est terrible. Ouvre! Ça s'ouvre pas. Ah, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Elle veut pas ouvrir, madame! Ouvrez! On arrête la comédie! Attendez. Vraie question. Est-ce que sur la pale du moulin, là vous allez me prendre pour un fou, mais je vous promets que dans Resident Evil 4 c'était à peu près ça. Hein. Est-ce que sur la pale du moulin, non. Pas d'apparence en tout cas. Ok, allez, on va récupérer ce qu'on a à récupérer. Je suppose que c'est un petit peu plus haut. Très bien ça. Ok, herbe jaune. Alors, écoutez, on va fabriquer... une petite substance très, très adéquate. Vert plus rouge plus jaune. Très bien. Très bien, ok, 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 j'aime bien. Fabriquer vert plus vert, je suppose. Et là, je peux normalement fabriquer un vert plus vert plus vert. Mais quel serait le réel intérêt? Pour l'instant, aucun. Fabriquer... Oh, 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 oh. 6 cartouches de pompe, je peux vous dire que tout ça n'est pas négligeable. Ok, on s'en sort très très bien pour l'instant. J'espère que vous êtes ravis. Moi en tout cas, je le suis. C'est parti. Ok. Des mécanismes. J'ai pas du tout souvenir de cela. Sûrement une petite nouveauté. Ah, bien. Bien, 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 bien. Excusez-moi, j'avais cru voir un truc en l'air. Très bien. Des fois, il fallait carrément prendre le sniper et viser de super loin. J'espère qu'on n'aura pas ce problème-là. Qu'est-ce donc? Il manque une roue. Il va falloir que je répare ça. Très bien. Ok, pas mal. J'aime bien. Allez, nous voilà en hauteur. On va essayer d'analyser le terrain. Toujours pas comment rentrer. Ok. Ah yes. Ah. Ok, j'en ai pris plein la gueule. Pas mentir. Ok. Quoi? La vache. Allez. Oh, un médaillon. Monsieur, vous avez un torticolis. Ah! Monsieur, vous avez un torticolis, j'ai dit. C'est la première fois qu'on vit ce type de mort. Je ne m'attendais point à cela, pour être très honnête avec vous. Ok, bien wesh. Bien wesh, bien wesh. Waouh! J'ai de sales idées qui me traversent la tête. Allez, c'est parti. Très bien.
Bon, écoutez, c'est pas grave. On va s'en sortir. Parfait. Allez. Messieurs, vous pouvez venir. Je vous attends. La vache. Allez, c'est cadeau, Bibi. Ça t'a plu? Ok, ça a l'air de t'avoir plu. Ok, ok, on s'écarte un petit peu. Laissez passer, c'est un taureau énervé. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, on va régler ça à l'ancienne. Très bien, j'ai dit on va régler ça à l'ancienne. Voilà. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Allez-y, faites la queue. Faites la queue, faites la queue. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Voilà. Allez-y, on y va, on y va. Allez, on monte s'il vous plaît. Un petit effort. Eh, malheureusement, je vois que le virus ne vous a pas rendu très intelligent. Ok, j'ai tiré 3 balles, j'en ai pas mis une. Attention. Vache. Suivant. Ok. Il était en train de se transformer ou pas là? J'ai du mal à... à réellement comprendre ce qui se passait vraiment là en fait. J'étais tellement subjugué par sa transformations. J'ai toujours pas de couteau, c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, une petite roue dentée. Tout ce que je voulais. Un couteau de cuisine. Eh ben voilà, tout ce que je voulais aussi. Voilà. Allez. Hop, on va ouvrir ça. Superbe, un rubis. Ça j'aime. Et je parle pas de la marque de téléphonie mobile. On peut vraiment... Ah, c'est fermé. Non, là, c'est abusé, ça, les gars. Ok. Ça, hop, on détruit. Là, y'a rien, là. Y'a pas de petit médaillon bleu par ici. Je me suis égaré, je me suis fourvoyé. Ok. Bon, bah, écoutez. Bah, qu'il en soit ainsi, bougez pas. Il y avait une porte ici qui était fermée. Est-ce qu'ici, sur un malentendu, on peut retirer le verrou? J'en ai bien l'impression. Superbe, ça. Félicitations, messieurs, on a déverrouillé un raccourci. On est les meilleurs. Là, on peut toujours rien y faire, très bien. On va passer par en haut, c'est pas bien grave. Il nous manque un médaillon bleu. Et après, je pense qu'on peut passer à autre chose. Et là, ce médaillon bleu, pour le moment, je ne l'ai pas. J'essaye de regarder dans la charpente. On va prendre notre temps, les amis. Ce jeu est fantastique. Donc, je suis désolé, mais j'aime. J'aime prendre mon temps. Tenez, on va faire tout le tour. Déjà ça, on va le bouger, ok? On va la mettre tout de suite, cette fucking roue. La roue, elle est pas carrée, mon pote. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça va faire? Très bien. Très bien, je prends. Ok. Je prends totalement. On va aller dans l'autre petit coin, là, parce que ça a l'air de cacher quelque chose de très sympatoche. Déjà ça, là, c'est très bizarre. C'est très bizarre, ce petit endroit. Très louche. Ok, qu'est-ce qu'on a là? La poudre noire, superbe. Et qu'est-ce qu'on a là? Un pichet! Eh oui! Oh! Oh, y a mes thés. Alors ça, ça me plaît. Sachez-le. Ok. Il se passe beaucoup de belles choses. Il se passe de bien belles choses. Regardez-moi cela. Alors, on peut sortir de ça. Ah non. Très bien. Ça vendra, ça vaudra 12 000 pesetas. Let's fucking go. Ok.
Très bien. Très très bien, on a ouvert tous les raccourcis possibles et inimaginables. Par contre, me manque, excusez-moi de l'expression, une fucking médaille. Et après on peut passer à autre chose. Est-ce qu'elle est pas quelque part par ici? Une médaille les gars. Une médaille et on passe à autre chose. Ça m'en a pas l'air. Écoutez, c'est pas grave, on va continuer. Et là, y a pas. Oh là là. De toute façon, on reviendra ici. Hein. Rassurez-moi. On reviendra ici. J'ose espérer. Ok. Ça, je prends ça. Ça, évidemment, je prends. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tellement de choses à faire. Fabriquer. Encore des balles de peupon, ça me paraît pas mal. Il y en a jamais trop. Ensuite, bougez pas. On va faire un petit peu de rangement. Vous savez qu'il y a carrément, pour la petite histoire, la petite anecdote, un jeu sur Steam qui vous permet. Ça, je peux le réparer ou ça sera. Tiens, je me demande ce qu'on pourra en faire. Qui vous permet uniquement, c'est un en guise d'anti. D'anti-stress, de ranger vos inventaires. Voilà, écoutez, ça c'est pour la petite anecdote, vous en faites ce que vous voulez. Ok. Ok, ok, ok. On est pas mal. J'aime quand c'est propre, c'est la folie du rangement. Ok. On va bouger ça. Alors, bien. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qui est écrit là-haut? Ah, le lac. On sait ce qui se passe dans le lac, les amis. Le lac doit être par là. On sait ce qui se passe dans le lac, les amis. Et là? Ok. Je regarde un petit peu le décor. J'aimerais passer à côté du minimum de choses possibles. Ok. Putain, j'aime pas aller vers le lac. Vous savez ce qu'on y trouve? On y trouve de l'eau. J'aime pas du tout ça. Monsieur? Ah! Wouh! Ah, j'en ai marre. Moi donc. Bah ouais, mais... Ok, on va aller retourner par ici. I suppose. Ok, il y a des morts. Calmez-vous, madame. Ne chargez pas. Ne chargez pas comme ça. On garde son calme. Il est temps de fabriquer, ceci dit. Voilà, ça me plaît. Ok. Donc, rond, c'est pour esquiver. Hein. Ah, vache. S'il y a des gros coups de joystick de temps en temps... Parce que je regarde le plafond. Lyon, tu veux pas allumer ta torche, non? Non, t'estimes que ça vaut pas le coup. Ok, je pensais qu'on pouvait tuer des chauves-souris, excusez-moi. J'ai tenté quelque chose, voilà, je vous l'avoue. Coupable. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu une dame là. Hein. Oh, je me suis chié dessus. Oh
Ah! Écartez-vous. Oh la vache. Ok. Voilà. Oh la vache. On fait la paix, messieurs. Ok. Je ne voulais pas faire la paix de toute évidence. Merci pour les explosifs, ceci dit. Ok, c'est bon. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Ok. Écoutez, c'est officiellement les problèmes. Qu'est-ce que c'est? Ok. Bon, ça me casse les couilles avec cette dynamique. Hein. Quoi? Qu'avez-vous? Mesdames! C'est qui fait le nerveux ici, là? Allez, madame. On se calme. On se calme. Ah, mais c'est vous! Alors, petite coquine! Alors! Wow! Wow! Peut-être que tirer dans la dynamite n'était pas le meilleur des moyens. Ok. Bon, c'est pas grave, ceci dit. On est tranquille. Par contre, il y a quelqu'un qui nous jetait des armes et non de la dynamite. Ça, ça m'embête un petit peu plus. Ok. Eh bien, écoutez, on va peut-être pouvoir voir s'il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose d'enfermé ici, de très bizarre. Très bien. On va aller checker l'intérieur des maisons. Les gens sont très nerveux dans ce village, hein. Ok. Bon, rien de checker du tout, apparemment. On va essayer de checker ici. Wow, 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 wow. Madame, madame, madame. Ah, wow, comment elle fait ça? En ce pouvoir suplex. Ça faisait longtemps ça. Oh ça, ça faisait longtemps le petit suplex. Ok. Eh ben écoutez, on va faire attention. Nous allons voir où on marche à partir de maintenant. Superbe. Bon, bah écoutez, c'était elle qui m'envoyait un maximum de plaisir et de bonheur. Évidemment, à travers des petites fossiles. Et elle a réussi d'ailleurs à m'en envoyer une belle. En ayant les yeux totalement à l'opposé. Ça, c'est assez extraordinaire. On la félicitera jamais assez. Ok. Début de révolte. Très bien. Très très bien. Eh ben écoutez, on est pas mal. C'est vrai qu'il faut tout fouiller, hein. Ça va vite en vrai tout ça. Hein. On a vite tendance à passer à côté d'un petit bâtiment ou autre. Et là pour le coup... Waouh, j'ai failli retomber dans le piège, c'est assez terrible. Ok, maintenant on va passer ici. C'est peut-être ici. Oh non.
C'est là où on va rencontrer Louis. Qu'avons-nous là? Un tableau? Superbe. Quel tableau d'ailleurs? Magnifique. Magnifique. Il a pas l'air d'avoir de clé cachée. Why not? C'est quoi ce bruit? C'est parti. Ok. Qui se fait arracher la gueule, hein. Oh, j'ai toujours pas de couteau, Gilles. Ahí está. No me jodas. J'ai toujours pas de couteau. Allez. Chier. Donnez-moi un couteau de cuisine. Je veux un hachoir quelque chose. C'est parti. Apparemment on est un peu plus intelligent que lui. Ça fait plaisir. Ah. Oh là, oh là, oh là, ce merdier. Oh le merdier. Que ça fait mal. Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, seigneur. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Oh, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh, mais manquez plus que lui! Vous êtes qui? Restez où vous êtes! Oh. Chapitre terminé. Let's go. Écoutez, c'est plutôt pas trop mal. J'ose croire qu'on s'en est bien sorti. On va save, évidemment. Allez, chapitre 1, c'est fait. Il manque une petite médaille bleue. Voilà, ça me chagrine. Je vais pas vous mentir, ça me chagrine. Et non, on va s'arrêter là. Hop, 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 hop. On va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure, évidemment. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Aidez cette vidéo à sortir, évidemment. Je vous fais de gros bisous. Vous avez été sages, normalement. Vous avez ces deux vidéos le jour J de la sortie de ce jeu. Donc, voilà. Comment me remercier? Un petit like et un petit commentaire. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Bye bye.